Eureka! Nous allons voir ensemble comment isoler un ballon d'eau chaude. Voici les différentes étapes à suivre et le matériel dont vous aurez besoin. Un mètre ruban, des ciseaux et un ruban adhésif aluminium. Première étape, isoler la cuve du ballon en l'enroulant d'un isolant. Tout d'abord, prenez les mesures de votre cumulus à l'aide d'un mètre ruban. Découpez ensuite l'isolant à l'aide de ciseaux aux dimensions du cumulus afin de permettre un enroulement optimal de la cuve. Effectuez les découpes en contournant les conduites d'eau d'arrivée et de départ. Et déroulez l'adhésif sur toute la longueur des raccords. Attention, n'isolez pas le fond de la cuve en partie basse du cumulus. Vous risqueriez d'empêcher le bon fonctionnement du dispositif de sécurité. Deuxième étape, isolez un ballon d'eau chaude installé dans une pièce mal isolée. Une amélioration est peut-être réalisable à très faible coût, comme isoler la porte du garage ou bien calfeutrer les fenêtres de votre cellier. Il est également conseillé d'isoler la tuyauterie partant du chauffe-eau afin d'éviter une déperdition de chaleur lors du transfert de l'eau chaude. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.